Et salut à tous, c'est Angel038, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Moi, pour ma part, tout va pour le mieux. Et donc, on est parti pour le Grand Prix du Brésil, pour lequel je vais partir à une très bonne troisième place. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas obtenu une telle performance sur des qualifications, à l'inverse de mon coéquipier, lui, qui partira huitième. C'est vrai que la météo peut-être a joué en ma faveur, hein. J'avais une stratégie au niveau des réglages équilibrée. J'avais un réglage plutôt neutre hein, par rapport au réglage du jeu. Tandis que l'IA a dû probablement utiliser des réglages plus orientés pluie, hein, vu que toute Q1 s'est déroulée sous la pluie et une bonne partie de Q2. Donc j'ai pu tirer mon épingle du jeu sur Q3. Et donc, espérons que cet avantage me soit en ma faveur pour la course, hein, parce que la règle du parc fermé veut que les réglages sont figés avant les qualifications. Et donc, théoriquement, si on s'en tient à ces règles-là, l'IA devrait avoir opté pour des réglages pour la pluie, peut-être pour moi un certain avantage sur cette manche. Donc pour les arrêts, on va s'arrêter au 11e tour pour rechausser un train de pneus option, et puis au tour 22 pour chausser les pneus prime. Il va y avoir beaucoup de tours sur cette course, sachant que les tours ne sont pas longs. Alors comme la dernière fois, hein, comme j'ai pas tourné dans la foulée, le Grand Prix et les qualifications, donc il faut que je refasse mes petits réglages, j'en ai pas pour longtemps. Voilà, c'est des petits réglages hein, du fait de du volant hein, de l'association G27 et SRW1. Voilà. Le DRS que je vais configurer ici. Et puis ça suffira. On va partir donc maintenant pour la piste. Alors donc météo sèche pour la course, mais météo couverte néanmoins. Hein, donc peut-être qu'on verra pas le soleil avant la fin du Grand Prix. On verra bien. Alors je m'excuse encore hein, pour la vidéo présentation du programme à venir sur la chaîne ainsi que l'invitation au live. Hein, elle était vraiment de très mauvaise qualité. Le son aussi était pas terrible. Je suis vraiment hein, confus de vous avoir proposé une vidéo si moyenne. Et on saura se faire pardonner avec Cédric. Enfin du moins surtout moi. Allez, le départ va être donné. Allez, le départ est donné, j'arrive plutôt bien à m'élancer, je reviens à la hauteur de Rosberg ici. Ouh, ça revient fort derrière. Petit problème de freinage. J'ai loupé mon premier freinage. Ce qui m'a coûté énormément de place pour le coup. Les freins étaient complètement froids, je sais pas ce qui s'est passé, hein. J'ai pourtant appuyé sur la pédale. Et devant, c'est un peu la confusion. J'ai voulu jouer de prudence hein, derrière Vettel. Ça m'a plutôt joué en ma défaveur. Je suis à respiration sur Vettel. Je le déboîte sur la ligne de départ arrivée. Massa qui va tenter de passer la Force India qui est devant lui. Et ici, je me fais coincer par Pérez. DRS.
Ça s'agite devant Ricardo qui a pris l'avantage sur la voiture qui l'a précédé. Je crois que c'est mon coéquipier d'ailleurs. Tout à fait. Alonso qui est cinquième. Ah, il va pas y avoir beaucoup de découpage dans ces premiers tours hein, parce qu'on est au tour 5 et il y a de l'action à chaque tour hein, puisque j'arrive petit à petit à refaire mon retard après mon départ manqué et je profite de la confusion qui règne devant. Ici je vais prendre l'ascendant sur Massa, c'est chaud ici. Massa qui essaie de décroiser ici. Je passe dans l'herbe. Et là, je me suis loupé au freinage une fois de plus. Et Massa en a profité pour repasser. Voilà, j'ai réussi à passer Bottas à l'entame du 7ème tour. Massa. Je pense à Bottas parce que je viens de ravir le meilleur temps au tour à Bottas. Et on est dans le tour 9 et devant, donc on a une Mercedes hein, qui fait clairement bouchon devant Alonso. Alonso qui devrait avec le DRS ici se débarrasser de la Mercedes. Et il s'agit de Hamilton. Hamilton qui est en difficulté, et je viens de le percuter d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est en difficulté avec sa boîte de vitesse. Parce que c'est à chaque freinage qu'il a du mal avec sa monoplace. Coup de théâtre hein, chez Mercedes, le leader du championnat du monde. Qui est en difficulté alors qu'on est à la fin du 11ème tour et je vais rentrer au stand pour effectuer mon premier arrêt. Et hop, je me jette dans les stands
Et je suis suivi par Hamilton, hein, qui était derrière moi depuis tout à l'heure. Espérons que je ne sois pas retenu dans les stands. C'est bon, on repart en même temps avec Hamilton, il reste derrière moi dans mes ailerons. Massa aussi s'était arrêté. Allez, on rejoint la piste. Allez, c'est là qu'il va falloir faire un gros gros tour. Les pneus qui souffrent sur ce tracé. Attention, les leaders sont rentrés dans les stands, ils en sortent là actuellement. Est-ce qu'on va arriver à passer notre coéquipier à l'issue des arrêts? Et ça semble être acquis. J'ai réussi à faire un gros tour de sortie. Ce qui me permet de prendre davantage sur Alonso. Allez, on est dans le 17ème tour, un petit point sur la course. Donc pour l'instant, je suis toujours 4ème à la poursuite de Ricciardo qui est devant moi à peu près 3 secondes. Derrière moi, il y a Hamilton qui a enchaîné les records du tour. Et puis on est revenu sur des retardataires. Et Alonso est derrière Hamilton à la 6ème place. Alors qu'on est dans le 22ème tour et on continue à remonter sur des retardataires. Et depuis quelques tours, j'ai quelques soucis avec le pneu avant gauche qui a tendance à surchauffer. Et qui me cause de gros problèmes de tenue de route. Là sur ce tour-là, ça va, ça passe. Mais c'est ce qui explique le retour dans les rétroviseurs de Hamilton et Massa qui va en mettre plein les rétros depuis quelques tours et du coup Ricciardo qui a pris le large hein, parce que j'ai énormément de mal à tenir la voiture dans les courbes rapides. Et donc à l'issue de ce tour on va rentrer au stand. C'est chose faite. Et comme tout à l'heure, hein, je suis imité par Hamilton et Massa. Alors on va chausser les pneus durs. Et c'est parti. Alors que Massa est juste en train de rentrer dans le stand. Derrière Hamilton est aussi reparti. Ce qui laisse la 4ème place à Alonso, provisoirement. Alors pneus durs, il va falloir les faire chauffer. Et ça recommence avec les problèmes de chauffe sur l'avant gauche. One.
Alonso qui semble avoir interverti ses stratégies. Allez, on est dans le 30e tour maintenant. Petit bilan de la course. Donc je suis de nouveau au 4e, dernier Ricardo. Ricardo qui est beaucoup plus loin que lors du précédent pointage. Il est à quasiment 10 secondes devant. Et derrière, c'est Alonso qui est revenu pas très loin de moi. Et je pense que la consigne d'équipe va pas tarder à tomber. En maintenant l'ordre de laisser passer mon coéquipier. Parce que Hamilton, visiblement, qui était derrière moi pendant un moment, un peu à la lutte avec Massa, je pense a dû percuter Massa, puisque à un moment, Hamilton a littéralement disparu de mon rétroviseur. Donc j'en conclus qu'il a dû avoir un accrochage avec... alors que là, je laisse passer mon coéquipier. Voilà, la consigne d'équipe. Je laisse mon coéquipier devant, bien sûr, pour les points. Si on parvenait à finir dans cet ordre-là, ce serait plutôt pas mal, on dira. Parce que j'ignore complètement où se trouve Hamilton. D'ailleurs, Hamilton est toujours en piste, puisqu'il vient de signer le meilleur temps au tour. Et actuellement, c'est Bottas qui mène le Grand Prix, suivi de Rosberg et Ricciardo, donc en troisième position. Allez, on est dans l'avant-dernier tour maintenant. Et je suis passé en mode économie d'essence, hein, puisque, comme vous pouvez le constater sur le HUD, la jauge clignote. Et même si les tours sont courts, il faut se méfier. Et on va rentrer dans le dernier tour. Concentre là sur le dernier tour parce que la menace Massa est toujours bien présente derrière, hein, et poursuivie par Vettel d'ailleurs. J'ai pas envie de perdre le gain de la 5e place, une course folle, hein, en partant 3e j'aurais pu marquer beaucoup plus de points. Et Nico Rosberg, hein, finalement qui s'impose ici, il va marquer des gros points sur son coéquipier du coup, le pilote allemand. Puisque Hamilton est plus loin dans le classement, je sais pas exactement où. Et voilà, j'en termine avec la 5e place. J'aurais pas atteint les objectifs de l'écurie, mais c'est pas grave, hein. Ça aura fait des points de marqués, en tout cas à l'issue de cette course. Donc Nico Rosberg qui finit premier. Suivi par Daniel Ricciardo, hein, Ricciardo qui a réussi à récupérer la 2e place quand même, hein, belle course du pilote Red Bull. Valtteri Bottas qui menait la course pendant un moment a fini à la 3e place. Ensuite on retrouve les deux pilotes Ferrari, donc mon coéquipier devant moi,
Ensuite, on a Felipe Massa, 6e, 7e, Sebastian Vettel. Lewis Hamilton aura fini à la 8e place. Sergio Perez, 9e. Jenson Button, 10e. Kevin Magnussen, 11e. 12e, Nico Hülkenberg. Ensuite, on a Jean-Éric Vergne, 13e. 14e, Adrien Sutil. Dani Ricciardo, 15e. Romain Grosjean, 16e. 17e, Esteban Gutiérrez. 18e, Jules Bianchi. 19e, Kamui Kobayashi. 20e, Max Chilton. 21e, Marcus Ericsson. 22e, Pastor Maldonado, qui donc a abandonné. Et voilà. Ensuite, au championnat du monde des pilotes, Lewis Hamilton qui est toujours en tête malgré sa contre-performance sur le circuit du Brésil. Il est suivi de 30 points par son coéquipier Nico Rosberg. Donc, Lewis Hamilton est très logiquement titré à l'issue de cette course, hein, puisque donc Fernando Alonso lui est à 31 points. Il peut encore récupérer la deuxième place sur Nico Rosberg. Quant à moi, je suis quatrième avec 137 points de retard. Attention tout de même que Sébastien Vettel ne récupère pas des gros points sur Abu Dhabi, bien que la quatrième place me semble assez verrouillée, si tant est que je finisse dans les points et que Vettel ne fasse pas une victoire. Daniel Ricciardo est 6e, Felipe Massa 7e, 8e, Valtteri Bottas 9e, Jenson Button 10e, Kevin Magnussen 11e, Nico Hülkenberg 12e, Sergio Perez. Romain Grosjean est à la 13e place, suivi par Jean-Éric Vergne, les deux Français, 13e et 14e. 15e, Daniel Kvyat. 16e, Pastor Maldonado. 17e, Esteban Gutiérrez. Jules Bianchi, Adrien Sutil, Kamui Kobayashi, Max Chilton et Marcus Ericsson ferment la marche et n'ont comptabilisé aucun point lors de cette saison. Alors, évidemment, j'ai pas le bouton pour les. Elle est bonne celle-là. Du coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer le classement. Ah zut, alors, ça c'est nul ça. Du coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer le classement du championnat du monde des constructeurs. Ceci étant, Mercedes devrait toujours être logiquement être devant, suivi par la Scuderia Ferrari. Red Bull devrait logiquement, si mes souvenirs sont bons, toujours être troisième. Et puis on fera un point sur les constructeurs lors du prochain Grand Prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite et fin de cette saison sur F1 2014. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous.